Good morgen, allez, Iden et Sus, aujourd'hui, le lundi matin, Esther, Bat Myriam, René, Avraham, Ben Mordechai, ainsi que les Fouat, Olivier, Israël, Shimon, Ben Chaya, Esther, Hamshad, Myriam, Bat Rosena, et Benjamin, Ben Chabiba, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masechet Urvin, Perek Vav, Mishnah Dalet. Mais Matai Notnim, Reshut, Bet Shamay Omrim, Mi Beod Yom, ou Bet Yelel Omrim, Mi Shecha, Shecha, Mi Shenatan, Reshuto, Vehotsi. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Areize Oser, Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Bemezid Oser, Beshogeg, Eno Oser. Une Mishnah qui va se concentrer sur le sujet du Bitoul, qu'on a déjà évoqué depuis le début du Perek plusieurs fois. Je répète le principe. Selon la Torah, tout d'abord, tout ce qui est entouré de barrières, tout lieu entouré de barrières, il est considéré comme un Reshut Hayachid. Du coup, même considère, même s'il y a trois barrières, trois murs, du coup, n'importe quelle impasse, elle est n'importe quel cours, n'importe quelle impasse, il n'y a pas d'interdit de la Torah de se faire sortir des ustensiles de chez vous, dans la cage d'escalier, dans le hall d'entrée de l'immeuble, peut-être même dans toute la propriété, ça c'est selon la Torah. Chachamim ont fait un décret qu'on ne sort pas de ce qui est un reshut yachid très privé, à un reshut à un domaine qui est en copropriété. Ça ressemble au Reshut Hayachid de Reshut Arabim, et Shlomo HaMelech a fait un décret qu'on ne sorte, on fait pas sortir les affaires, donc du coup on n'a pas le droit par exemple de faire sortir quelque chose de chez soi, dans la cage d'escalier même, ou même sans franchir le seuil de la porte. Le couloir de votre étage, il est déjà un lieu en copropriété, vous n'avez pas le droit de faire sortir de quoi que ce soit de là-bas. Fréquent pour ceux qui veulent par exemple achat en France où il n'y a pas de hérouve, on veut laisser cacher la clé quelque part dans une. D'accord? Donc on veut cacher la clé en la faisant sortir de la porte, il y a un problème pour la faire sortir. Il y a des moyens permis de le faire, mais en tout cas, en l'état, c'est interdit. Ça, c'est la notion générale d'abord de l'interdit de faire sortir de Reshut Hayachid au Khatser ou au Mavoy. On en rentrera plus dans les détails plus tard. Maintenant, la solution pour résoudre le problème, c'est qu'on fasse quelque chose de symbolique qui va faire qu'on va tous devenir associés dans l'endroit. On va faire un Eruv Chatzerot, Eruv Shituf Mivot. On expliquera les petites nuances. Bon, qu'on s'associe. Par là, on va exprimer qu'en fait, on est tous devenus une seule grande propriété. Tous les voisins, on est devenus une seule grande propriété. Si toutefois, on n'a pas fait le Eruv, on a la possibilité de faire le Bitoul. Annuler sa propriété. C'est-à-dire, imaginez qu'on est dans une cour partagée entre trois voisins, et on a oublié de faire le hérouf. Donc maintenant, on a tous un interdit de faire sortir de nos maisons à la cour. Les objets qui sont dans la cour, entre parenthèses, on a le droit de les porter à l'intérieur de la cour. On n'a pas le droit de faire franchir le seuil des maisons, ni d'en les faire sortir, ni les faire entrer. On a maintenant une possibilité, malgré tout, c'est que les deux voisins annulent leur droit de porter, de faire sortir leurs objets dans la cour à l'autre voisin, ils lui annulent, ils lui font un bitoul, ils lui donnent le reshut, ils lui donnent la permission de que maintenant nous on renonce à notre droit, donc du coup la cour c'est devenu ta cour personnelle à toi le troisième, on t'a tout donné, toi tu peux faire sortir les ustensiles de ta maison jusqu'à dans la cour et la faire rentrer, nous on n'a plus le droit de la faire sortir. Ça on l'avait déjà appris même dans la Mishnah précédente. On va prendre maintenant dans notre Mishnah, à quel moment peut-on faire ce bitoul? Mais Matai Notnin Reshut, depuis quand ou jusqu'à quand peut-on donner la permission? Bet Shamay Omrim, Bet Shamay Diz Mi Bodium, que lorsqu'il fait encore jour, depuis le vendredi, t'as pas le temps de faire les roues, t'as plus le temps de t'organiser pour faire les roues, tu dis, j'annule le Reshut, mais quand tu fais ça, le vendredi après-midi avant l'entrée de Shabbat? Ou Bet Hillel Omrim, Mi Shecha Shecha, et Bet Hillel permettent même de le faire depuis le moment où le Shabbat il est déjà entré, même le lendemain Shabbat à midi si tu veux. La discussion, le Bartanoir y rapporte, la Gemal conclut, qu'il discute cette notion-là de donner la permission à l'autre pour qu'il porte, est-ce que c'est assimilable à la transaction ou au Efker? C'est-à-dire, à Shabbat, on n'a pas le droit de faire des transactions, on n'a pas le droit de donner quelque chose, même donner un cadeau. Au cas où vous ne savez pas, on n'a pas le droit de donner un cadeau à Shabbat, à quelqu'un. Si vous êtes un anniversaire, il faut lui faire acquérir le cadeau avant Shabbat ou bien après Shabbat, ou lui prêter pour le moment jusqu'à la sortie de Shabbat. On n'a pas le droit de donner quelque chose à Shabbat. Par contre, à Shabbat, on a le droit d'être mafkir,
de se délier de sa propriété d'un objet. J'ai le droit de prendre un objet, n'importe quel objet, je le mets dans la rue, je dis, allez, c'est plus le mien. Je ne suis pas en train de céder à quelqu'un, je suis en train d'annuler ma propriété. C'est discuté, mais comme ça, c'est retenu. Je vous explique comme le rachat, je l'explique la Gemara. Je n'ai pas le droit de donner, mais j'ai le droit de retirer ma propriété. Et leur discussion, elle est, quand je vais donner à mes voisins le droit de porter, parce qu'on n'a pas fait le hérouf, je leur donne le droit de porter, est-ce que je suis en train de leur céder quelque chose? Je suis juste en train de renoncer à quelque chose qui est à moi. Et eux, ils restent forcément propriétaires. C'est là le point de discussion. Beth Shammai considère qu'on leur donne le réchout. On donnait, tu n'as pas le droit de donner pendant Shabbat, tu dois donner le réchout avant Shabbat. Beth Hillel pense que donner le réchout, c'est pas que tu donnes le réchout, c'est que tu renonces à ton droit. Et renoncer à ton droit, tu peux même le faire pendant Shabbat. Donc, tu as le droit d'annuler ton réchout pendant Shabbat. Deuxième partie de la Mishnah. Mishnatan réchouto vehotzi. Celui qui a donné, maintenant, à ses voisins, le droit de... Il a cédé son droit de faire sortir, parce qu'ils avaient oublié de faire le hérouv, et il a dit, bon, allez, je renonce à mon droit de porter dans cette cour pendant Shabbat. Donc, il n'y a que toi qui, maintenant, qui va pouvoir porter de ta maison. Mais qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il a donné le droit à l'autre? Otsi, il a quand même fait sortir quelque chose. Ben Beshogeg, Ben Bemezid Areze Oser. Qu'il l'ait fait exprès ou qu'il ne l'ait pas fait exprès. Shogeg, il l'a pas fait exprès. Par inadvertance. Bemezid, il l'a fait avec, il l'a fait exprès. Dans tous les cas, Areze Oser, il rendra interdit la cour. Je finis la marloquette, après j'explique. Divré Rabbi Meir, tel avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Bemezid Oser, Beshogeg et non Oser. Rabbi Yehuda nous dit, s'il a fait sortir la chose consciemment, il interdit. Inconsciemment, il n'interdit pas. J'explique un peu mieux. Soit, maintenant, on va prendre le cas où on était deux. Moi et vous. On était voisins. On a oublié de faire le hérouv entre nous. Du coup, je vous ai dit, ben, tu sais quoi? Je renonce à mon droit d'utiliser la cour pour faire sortir mes ustensiles de chez moi. Maintenant, si tu es devenu le seul propriétaire, donc il n'y a plus besoin du hérouv. Ce qui se passe, c'est que toi, tu n'as pas commencé à utiliser la cour pour le moment. Tu as traîné. Entre-temps, moi, j'ai oublié et j'ai fait sortir quelque chose. Ou bien, non, on va commencer d'abord avec le cas où consciemment, je dis, bon, je le donnais, mais ça va, entre nous, franchement. Et j'ai fait quand même sortir mes objets de ma maison jusqu'à dans la cour, en transgressant l'interdit, donc. Premièrement, si je le fais bémézide, selon tous les avis, j'annule le droit. C'est-à-dire, en fait, quand je te permets, quand je veux te donner la propriété, je te donne le droit d'acquérir mon droit. Je te cède le droit d'acquérir mon droit dans la cour. Tant que tu n'as pas fait un acte d'acquisition sur ce droit-là, il est encore en l'air, ce droit. Il n'est pas encore à toi. Il a été peut-être cédé, mais je peux encore le récupérer. Si finalement j'ai fait sortir consciemment quelque chose, alors j'ai récupéré le droit, je t'empêche maintenant de l'acquérir. Ça, c'est si ça se passe bémézide. D'accord? Donc on a l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, si je le fais béchogé, que je n'ai pas fait exprès, il s'avère que je n'ai pas eu d'intention explicite de le réacquérir. J'ai juste oublié. J'ai pas eu d'intention de réacquérir ce droit. Alors, dans ce cas-là, en théorie, si je fais Beshogeg, je ne reviens pas propriétaire. Ça veut dire que, finalement, quand tu vas vouloir faire sortir des objets, tu vas réacquérir le droit, en théorie. Ben, mettre comme ça, il pense Rabbi Yehuda. Rabbi Meir vient et nous dit, non, il faut faire une xéra de Shogeg à tout Mézid. Pour que les gens ils prennent au sérieux cette histoire du Bitoul, on interdit tout. C'est-à-dire, dès que tu as donné le droit, l'autre, il n'a pas encore acquis. Toi, tu l'as récupéré. Même si c'était sans faire exprès, c'est trop tard, maintenant, ton droit, il s'annule. Tu veux, tu pourras le redonner ensuite, mais pour le moment, ce que tu as proposé, de lui céder le droit, eh ben, tu as annulé cette possibilité de l'acquérir, tu l'as récupéré pour toi, et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov, c'est là.